Bien, merci Vincent pour ce générique. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui commence, vous le voyez, une nouvelle année de partage, de clinique, de formation professionnelle et d'amélioration des pratiques. Déjà le 30e webinaire. Voilà, plus de 2 ans d'existence. Bonjour particulier à nos collègues les plus éloignés, on l'a vu, les DOM-TOM, le Liban, le Québec, la Nouvelle-Calédonie, etc. pour les régions francophones du monde, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, je ne cite pas tous les pays. Petit signe particulier également à nos collègues du CMPP de Grenoble, ils en connaissent la raison. Et donc à vous tous qui nous envoyez en ce moment encore un message dans le chat de toutes les régions de France et d'ailleurs. Voilà. C'est une belle communauté, merci pour votre fidélité. Alors innovation, vous l'avez vu avec ce générique qui va encore être amélioré. Et puis le projet cette année de mieux contrôler le déroulement du webinaire. Et donc avec quelques infos techniques que nous vous rappelons. Le webinaire est enregistré pour un accès en replay le lendemain. Donc, dès demain matin, vous pourrez accéder à l'ensemble de cette heure passée ce soir. Et puis, également, désolé, mais nous ne délivrons pas d'attestation. Ça n'est pas possible. On ne peut pas contrôler. Donc, impossibilité. Et on vous donne quelques conseils, c'est-à-dire enregistrer le mail de préinscription dont vous avez reçu quand vous êtes
préinscrit, et puis de faire une capture d'écran qui peut être valable pour vos employeurs. Enfin, vos remarques, vos commentaires, vos questions, vous l'avez déjà utilisé beaucoup, c'est dans le volet discussion, donc chat. C'est repris et synthétisé par Vincent, Théodore, Katia pour ce soir. Georges n'est pas avec nous, donc merci Vincent. Pour Vincent Hamelot pour la technique, c'est Vincent qui s'occupe absolument de tout, la mise en place, et puis Katia Thériault et Théodore de Mascarel qui seront au traitement de vos questions et pour vos remarques, interventions, etc. sur ce volet discussion. Voilà, et puis votre présence à tous les trois après l'exposé de nos invités. Bonjour Antoine Bioy, bonjour Bernadette Audrin-Servilla. Bernadette qui a des petits problèmes, on est désolé pour vous Bernadette, voilà, qui a des petits problèmes de webcam et qui restera donc avec peut-être ce petit écran noir. On va essayer quand même de placer votre photo, celle qui apparaît en tout cas dans les documents. Merci beaucoup à tous deux pour avoir accepté notre invitation et pour la présentation thématique de ce soir, la pratique de l'hypnose avec les enfants. Avec l'enfant et l'adolescent. Voilà, nous sommes heureux de démarrer avec vous cette nouvelle session. C'est déjà la troisième sur un sujet qui interroge les cliniciens, car il y a encore beaucoup d'inconnus, pour ne pas dire de mystères, de zones d'ombre concernant l'hypnose avec les enfants et les adolescents. Entre pratiques secrètes et actes professionnels aboutis, l'hypnose reste pour beaucoup d'entre nous une sorte d'angle mort dans le champ des méthodes thérapeutiques. Vous êtes des experts reconnus, si ce n'est ou ne sont les experts dans ce domaine, tant sur le plan conceptuel que sur celui de la pratique clinique. Donc Bernadette, en souhaitant que vous apparaissiez ce soir, mais en tout cas on vous a entendu et vous êtes présente, vous êtes psychothérapeute, référencée à Adélie, vous êtes formatrice à Hypnosia, on aura l'occasion d'en parler, Centre de formation et d'études en hypnose. Vous êtes titulaire d'un DIU théorie et clinique des psychothérapies à la Faculté de médecine de Nantes. Et puis, vous êtes formé surtout aux approches systémiques et à l'hypnose ericksonienne. On en aura peut-être un aperçu tout à l'heure. Voilà, de nombreux écrits, notamment des chapitres dans des ouvrages récents consacrés à l'hypnose. Et puis, bien sûr, co-auteur de 15 cas cliniques en hypnose pédiatrique chez Duno, paru il y a 2 ans. Antoine Bioy, professeur de psychologie clinique et psychopathologique, Université de Paris 8, vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute au CHU de Bordeaux, vous êtes responsable scientifique et pédagogique d'Hypnosia, et puis responsable également scientifique de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Alors c'est impressionnant, vous avez un palmarès de publications exceptionnelles, de 19 ouvrages, et plus de 40 contributions, en tout cas des chapitres et des articles. Et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ce soir pour ce thème sur la pratique de l'hypnose avec les enfants. Je vous donne donc la parole, si vous pouvez prendre le partage d'écran. Je vous donne la parole à tous deux pour une demi-heure, avant un temps de questions et d'approfondissement. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je vérifie. Alors, pour le partage d'écran, aidez-moi un tout petit peu. Vous allez en dessous. Hop, dans... voilà. Hop. Et je clique sur... Voilà, je pense que c'est celui-ci. Est-ce que vous voyez du coup c'est bien bon. Le... Voilà, parfait. C'est bon. Je passe en lecture. Donc je le disais, merci beaucoup pour votre invitation, pour pouvoir à la fois vous présenter l'hypnose ce soir et puis également pour pouvoir échanger avec les différentes personnes qui sont connectées. C'est assez impressionnant pour nous d'intervenir auprès de vous, d'abord évidemment par les personnes qui ont pris ce rendez-vous et qui sont là pour ce rendez-vous, mais aussi pour, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que vous êtes déjà à la 30e webinaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit et nous sommes ravis en tout cas de la pierre que nous allons poser également dans ce petit édifice de vos grands champs de webinaire. On va avoir 2 temps de présentation. Je vais d'abord commencer à situer finalement
l'hypnose, on va dire, du point de vue conceptuel, plus théorique, voir un peu quels sont les fondements de cette pratique et pourquoi finalement on en parle. Et puis Bernadette, elle, par contre, abordera les aspects beaucoup plus pratiques, les indications, et s'appuiera vraiment sur sa pratique. Pour ma part, j'ai une pratique, vous le rappeliez tout à l'heure, qui est une pratique hospitalière, qui maintenant est plus du côté de l'adolescent, également de l'adulte, mais en tout cas adolescent. Je fais beaucoup moins les enfants, par contre, Bernadette a une pratique qui est très centrée autour de l'enfant et également des adolescents. Pour comprendre en fait l'hypnose, on va partir en fait de tout début, c'est-à-dire au commencement était la transe. Voilà. Alors je ne vais pas m'embêter ici à essayer de différencier les différentes formes de transe, à vous donner une définition selon les différents angles. On va simplement dire, pour être clair, qu'on va appeler transe en fait les états de conscience modifiés, c'est-à-dire les perceptions de la réalité qui se trouvent aménagées lorsque survient un événement, par exemple dans le contexte d'un individu. Et puis, on va également situer donc les trans comme étant, les études actuelles nous le disent, comme étant avant tout une capacité qui permet aux individus de pouvoir s'adapter, se défendre, de pouvoir, comme on va le voir également, se développer correctement. Et c'est parfois évidemment cette capacité qui va soit rester dans le champ du normal, soit partir du côté du pathologique. On peut aussi le susciter, et c'est pour ça qu'il y a des thérapeutiques qui vont s'appuyer sur ces pratiques de transe, dont l'hypnose dont on va parler ce soir. Le processus peut donc, que je viens d'indiquer, être soit effectivement suscité par un environnement, par un contexte, ou bien être induit, et notamment par un thérapeute. Il y a trois grands inducteurs en fait aux états de transe lorsqu'ils sont suscités, induits. Il y a la prise de substances, on ne va pas en parler ce soir particulièrement. Il y a les pratiques corps-esprit, et c'est ce dont on va discuter ce soir avec l'hypnose. Il y a également tout un champ qui est en développement que vous connaissez, qui sont les objets connectés, et en particulier les casques de réalité virtuelle qui participent également de l'utilisation des phénomènes de transe et qui se développent beaucoup chez les enfants et les adolescents, et donc également dans les pratiques thérapeutiques, un peu d'aujourd'hui et beaucoup de demain. Pourquoi discuter de la transe? Pourquoi situer la transe en fait par rapport à l'enfant et à l'adolescent? Parce que actuellement, les auteurs considèrent que ce processus qui intervient dans le développement est présent dès le nourrisson, dès le bébé, et va l'accompagner durant les deux premières années de construction des phénomènes de conscience. Un auteur comme Gopnik a situé que sans doute la première manifestation des états de conscience modifiés chez le bébé était ce passage d'une attention lanterne, c'est-à-dire une attention très extérieure dans laquelle les objets, son corps, ne peuvent pas être encore tout à fait identifiés, personnalisés, à ce qu'il va appeler une attention de projecteur, sa capacité à pouvoir intentionnellement se tourner vers ce qu'il va distinguer comme étant le visage, par exemple, de sa mère, et de pouvoir ensuite s'y tourner de façon très intentionnelle. Donc, il va y avoir finalement le passage d'un état de conscience qu'on dit aussi parfois généralisé, à un état de conscience qui va être un état de conscience plus sectorisé dès le bébé et le très jeune enfant. Il va y avoir également donc les activités d'éveil qui, bien sûr, vous le savez, sont indissociables d'expériences de conscience émotionnelle telles que la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse. Et là aussi, lorsque survient une joie intense, un dégoût, une tristesse, on a ce phénomène d'état de conscience modifié qui va intervenir et qui va participer notamment à ce que l'on appelle maintenant la contagion émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir non seulement ressentir, transmettre et aussi percevoir les émotions présentes dans un environnement. Bien sûr, c'est le lien avec l'attachement, et énormément de travaux actuels en fait parlent des états de conscience modifiés dans les processus d'attachement. Pourquoi? Parce que d'une part, les processus d'attachement permettent précisément de travailler, de structurer autour de ces moments intenses dans lesquels participent les émotions, mais aussi parce que les publications actuelles indiquent que lorsque l'on va avoir une pathologie en lien avec les états de conscience modifiés qui va apparaître à l'adolescence et ensuite plus tard à l'âge adulte, on en voit en fait les prémices dans les profils d'attachement désorganisés chez l'enfant. Certains auteurs comme Silberg et Dalam ont même parlé en fait d'états proto-dissociatifs. Il y aurait déjà des facteurs de vulnérabilité par rapport notamment au champ du psychotrauma ou aux troubles dissociatifs qui prendraient en fait leur lit dans ces premières apparitions d'états de conscience modifiés dès l'enfance et qui seraient, on va dire, mal compris ou en tout cas mal cadrés dans leur fonction.
Également, les états de transe vont être en lien avec l'apparition des capacités de symbolique chez un individu et bien sûr l'apparition de la fantaisie, de l'imaginaire, dont l'hypnose va se servir par la suite à visée thérapeutique. Lorsque l'enfant grandit, devient ensuite adolescent, et là, pour le coup, la place vraiment des états de transe devient, on va dire, plus flamboyante, plus visible. C'est évidemment l'accès à la possibilité de la sexualité, l'accès aux stupéfiants, tout le rapport aux risques, aux émotions, aux sensations fortes, la question de la musique, du rythme en particulier. C'est cet adolescent qui va commencer à créer des rituels, et notamment des rituels de groupe. Il va éprouver des émotions en lien aussi avec le groupe, le père, des activités, notamment des activités sportives, de façon à consolider ce qui était déjà présent chez l'enfant. Et certains auteurs, comme Wolf, notamment, Maslow bien sûr, d'autres, ont décrit également que, comme processus de maturation au moment de l'adolescence, il existait des états modifiés de conscience, donc des états de transe qui étaient présents, et suivant les auteurs, il va y avoir des appellations différentes qui vont apparaître, l'état de flow ou l'expérience optimale, l'expérience paroxystique chez Maslow. Et il y a aussi l'ouverture, William James l'avait indiqué, on retrouve également chez Wolf, l'ouverture également au moment de l'adolescence, on va dire d'expériences plus unitaires, également parfois en lien avec le mystique, c'est-à-dire une interrogation qui commence à se poser autour de la question de la transcendance, se connecter à quelque chose de plus puissant et plus fort de soi versus la question de l'immanence, c'est-à-dire revenir à soi, son identité, et aller rechercher dans ses racines quelque chose qui permet de pouvoir se transcender. Et ce sont dans ces expériences sportives, créatives, compétitives, tout ce qui met en place aussi et en jeu les émotions, c'est dans ces expériences-là que l'on va précisément décrire ces états de conscience modifiés qui viennent structurer ces événements et participer de la construction identitaire et relationnelle du jeune devenu adolescent. Je vous signale une pratique qui, pour ma part en tout cas, m'a vraiment passionné en lien avec le Covid. Vous en avez certainement entendu parler, c'est la pratique du shifting et qui est vraiment assez typique de ces capacités adolescentes à utiliser les états modifiés de conscience de façon à pouvoir venir en défense ou en processus d'adaptation d'un événement et d'un événement défavorable en particulier. La pratique du shifting, c'était une pratique qui est internationale, hein, ça a vraiment été une pratique mondiale qui est apparue sans qu'on puisse vraiment l'identifier dans quel pays ou dans quel groupe d'adolescents c'est apparu, mais en tout cas, du fait des réseaux sociaux, ça a vraiment pris une part très importante. Ce sont ces pratiques qu'ont commencé à avoir des adolescents qui, pris dans l'enfermement, dans leur chambre, dans leur lieu de vie, ont commencé à développer des pratiques qui étaient en partie empruntées aux pratiques méditatives, c'est-à-dire prendre une position confortable, observer ses pensées, ses émotions, etc. Donc, ils créent de véritables rituels. Si je vous donne un exemple, il y avait le rituel de Alice au Pays des Merveilles, dans lequel l'adolescent, du coup, se mettait en condition d'observation de son intériorité, des choses présentes, et dès qu'il lui semblait percevoir le lapin blanc qui surgissait, alors il basculait, il shiftait donc, il basculait en fait dans un imaginaire, et dans son imaginaire, il déroulait tout un scénario qui lui permettait de pouvoir s'échapper par rapport à la réalité. Et sur les réseaux sociaux, version courte TikTok et parfois forum pour des récits qui étaient plus importants, sur les réseaux sociaux, au niveau international, les adolescents partageaient leur récit de shifting. Et on était vraiment dans une pratique dans laquelle, très directement, il y avait l'utilisation d'un état de conscience modifié avec un rituel emprunté de méditation ou d'autres pratiques comme le yoga, l'hypnose ou autre, permettant de créer un moment, une expérience, une sensorialité différente de façon à pouvoir s'adapter et à traverser la contrainte telle qu'elle était présentée. Donc, on a eu là récemment, l'article de Sommer est en accès libre, hein, vous pouvez le télécharger facilement, et qui décrit justement les différents scénarios qui ont été utilisés. De mémoire, ce qui a été le plus couru au niveau international, c'était Harry Potter, les scénarios inspirés de Harry Potter. Et on retrouve d'ailleurs également des préoccupations qui sont également présente dès l'adolescence, puisque en particulier un scénario qui avait cours de façon assez importante, c'était de devenir de former un couple avec Drago Malfoy, voilà, qui est donc l'un des méchants de Harry Potter. Et donc le shifting permettait aussi de vivre ce type d'expérience
familiarisation également avec des émotions et des rapprochés particuliers. Donc, on est vraiment dans, voilà, dans cette pratique-là au moment de l'adolescence avec quelque chose de plus flamboyant, je le disais tout à l'heure, autour de ces états. Maintenant, il ne s'agit pas évidemment de les magnifier, de n'y voir que des choses positives. Bien sûr que la dissociation au moment de l'adolescence peut prendre une forme tout à fait favorable, assez proche de celle de l'adulte, mais c'est aussi les moments dans lesquels il peut y avoir des vécus de dépersonnalisation extrêmement anxiogène, des réalisations, les phénomènes d'amnésie sélective qui vont être présentes. Et puis, c'est également ces états de conscience modifiés qui vont être mêlés dans les pratiques d'automutilation, avec cet état de conscience que la personne qui va s'automutiler va vivre. Bien sûr, les phénomènes d'anorexie mentale, avec également la sensation de faim qui va également créer un état de conscience modifié. Donc, il ne s'agit pas de voir ces états-là comme étant uniquement des processus adaptatifs. Ils le sont, bien sûr, de façon primitive, mais ils peuvent également conduire, bien sûr, à la question de la psychopathologie. Si je résumais un petit peu cette question de la transe avant de passer sur l'hypnose, sur laquelle l'hypnose s'appuie, donc les phénomènes de transe, on peut dire que les états de conscience modifiés sont identifiés maintenant comme étant des accompagnateurs du développement. Ils interviennent dans des processus d'apprentissage, des moments de maturation, d'intégration, très en lien avec le monde des émotions, et se pose évidemment la question de la façon dont l'enfant, l'adolescent, va plus ou moins facilement arriver à gérer également ces moments qui sont des moments particulièrement particuliers au niveau de l'expérience vécue. Je le disais tout à l'heure, il y a différentes façons d'induire un état de transe, et je disais notamment qu'il y a les pratiques corps-esprit à visée thérapeutique, et c'est le cas de l'hypnose que l'on va voir maintenant. L'hypnose, en fait, est une pratique, c'est notre façon de désigner l'utilisation des transes à visée thérapeutique dans notre culture occidentale, et très Europe de l'Ouest. Exactement. C'est en France, en fait, où l'hypnose est la plus développée actuellement au monde. Et puis, on va retrouver également la Suisse, également l'Allemagne, la Belgique, un petit peu l'Angleterre. Mais la France est vraiment le pays actuellement où l'hypnose est la plus pratiquée au monde. Même aux États-Unis, elle est très étudiée dans les laboratoires de recherche, mais la pratique est une pratique qui est devenue assez confidentielle. Voilà, donc je le disais, c'est notre façon à nous de pratiquer les états de transe. En tout cas, c'est comme ça qu'on va les désigner. C'est une méthode qui date en fait de la fin du XVIIIe siècle. Le but, vous l'avez compris, c'est de créer un état de conscience modifié pour retrouver cette question de l'apprentissage, apprendre ou réapprendre quelque chose qui peut être intéressant pour l'individu. On est donc dans un processus, qui est un processus qui s'appuie sur un contexte et un potentiel tout à fait normal, banal. Je ne me lance pas dans la neurophysiologie de l'hypnose. Il y a beaucoup de connaissances dans l'hypnose. L'hypnose est l'un des phénomènes de conscience les plus étudiés et les mieux connus actuellement. Il y a très peu de choses, en tout cas sur l'état hypnotique, que l'on ne sache pas actuellement. Globalement, en fait, elle fait intervenir deux circuits en même temps, le circuit de l'attention et le circuit de la détente. Autrement dit, quelqu'un qui est en état d'hypnose est quelqu'un qui est hyper attentif et en même temps, c'est quelqu'un qui est très détendu. Voilà. C'est une façon de synthétiser un peu cet état-là. Il y a une confluence très importante entre cet état et les états d'apprentissage. C'est-à-dire que si vous prenez également des activations d'un enfant, d'un adolescent qui apprend quelque chose, une activité, une récitation ou autre, vous allez retrouver également, en tout cas dans les conditions d'apprentissage idéales, ce mélange entre détente et absorption de l'attention. Donc on retrouve vraiment l'idée que l'état hypnotique est en fait un état de conscience modifié à visée d'apprentissage ou de réapprentissage de quelque chose chez l'enfant et chez l'adolescent. On parle maintenant d'un état de fonctionnement psychologique, et l'hypnose est forcément avec un praticien. On ne peut pas pratiquer l'hypnose tout seul, et le fait d'être accompagné dans cette pratique-là permet de pouvoir ouvrir vers cette conscience élargie dont je parlais, déjà présent chez le nouveau-né. Voilà, cette conscience-là, l'antenne qui va être présente, de retrouver cette conscience-là qui permet de pouvoir se remettre de façon particulière en contact avec le monde. C'est un état, c'est une relation. Faire de l'hypnose avec quelqu'un, c'est une relation particulière, et c'est une expérience corporelle et sensorielle pour la personne qui la vit. Pour faire de l'hypnose, il faut un état hypnotique, l'état de transe. Comme on va le voir avec Bernadette, il y a également des suggestions qui sont formulées.
Il faut demander pour pouvoir guider l'enfant, l'adolescent, pour obtenir un travail thérapeutique particulier. Il faut un contexte, bien sûr, ludique, dans lequel les émotions vont être présentes. Il faut également des dimensions en lien avec une certaine façon d'être en relation avec l'autre. Et là aussi, Bernadette pourra l'illustrer tout à l'heure. Bien sûr, cet imaginaire dont je parlais, pour lequel je disais effectivement qu'elle était importante dans le développement et qu'on allait s'en servir pour structurer justement cet état de transe à visée thérapeutique. Et bien sûr, le corporel, le sensoriel, être en transe permet de ressentir le monde autrement. Alors, je vais aller directement, vous avez les caractéristiques qui sont là, vous le retrouvez sur le PowerPoint, mais finalement, est-ce que tout le monde peut bénéficier de l'hypnose? En fait, on va considérer que l'hypnose commence aux alentours de 3 ans, 3 ans, 3 ans et demi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce que je citais tout à l'heure, ce mélange entre émotion, mentalisation, qui donne accès en fait à la fonction symbolique, cette capacité à pouvoir représenter, s'imaginer, se représenter quelque chose, même lorsqu'il n'est pas présent. On peut faire bien sûr un accompagnement avec un enfant de moins de 3 ans, mais qui sera très centré sur la distraction, le sensoriel, moins porté sur la question de l'imagination. Mais globalement, stricto sensu, on parle d'hypnose à partir de 3 ans, 3 ans et demi. Les patients qui sont les personnes qui sont les plus sensibles à l'hypnose sont les enfants, fin enfance, début d'adolescence, suivant les études, c'est 8-11 ans ou 9-12 ans, en tout cas aux alentours de 10 ans. Ils vont partir, là aussi, Bernadette nous en donnera des illustrations très facilement dans le travail avec l'hypnose. Donc, on est vraiment sur un terrain, chez l'enfant et chez l'adolescent, vraiment tout à fait propice. Dernière diapositive, comment finalement ça va fonctionner? On va suggérer des métaphores, des images, un scénario à la personne. L'idée, c'est de susciter une sensorialité au patient. Cette sensorialité va lui permettre de pouvoir ressentir, avoir une expérience particulière de l'environnement, de ce qui est en train d'être travaillé, créant ainsi de nouvelles associations, ce qu'on va appeler bien sûr la flexibilité psychologique. C'est là où va se passer le processus d'apprentissage. L'enfant va faire l'expérience d'une nouvelle façon de vivre sa difficulté, vivre ce dont il est question. Cette réorganisation perceptive va redevenir beaucoup plus consciente, va prendre corps chez la personne, et c'est là où on arrive à la stratégie de changement. Voilà globalement pour, on va dire, l'introduction théorique, conceptuelle. Pourquoi la transe? Aspect développemental, on utilise quelque chose de tout à fait naturel. On va guider l'enfant à visée thérapeutique dans cette pratique particulière que l'on appelle l'hypnose et que Bernadette va maintenant illustrer au travers de sa pratique. Bernadette, si tu veux bien, je passe pour toi les diapositives. Ah, je veux bien. Simplement, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, oui, on vous entend bien. Merci infiniment Antoine. Donc Bernadette, on est désolé pour vous, mais voilà, votre webcam. Ouais, je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis dit, bon, est-ce que je télécharge Zoom sur mon téléphone, mais c'était un peu compliqué. Puis j'avais envie de garder mon calme et être tranquille pour faire cette présentation. Absolument. Donc allez-y, on vous entend bien. OK. Donc voilà. En fait, les bases, c'est que le monde de l'imaginaire est. C'est un univers qui est naturel à l'enfant, et les enfants qui vivent dans l'ici et maintenant, ils sont directement connectés à leur expérience sensorielle du moment. Voilà. D'ailleurs, il suffit de les regarder jouer pour se convaincre de leur capacité à se dissocier. Et ils vont répondre à un grand nombre de types d'approches, pour autant que le thérapeute il en ait la maîtrise et qu'il soit en mesure de s'adapter au monde de l'enfant. Alors, ça demande... Je change la diapositive ou pas? Oui. Oui, oui. Je vais dire dit, comme ça, ce sera... En fait, ça va demander un réel engagement du thérapeute, dans le sens où ça veut dire qu'il faut aller directement être en capacité d'entrer en contact avec le monde de l'enfant. Pour ça... ça va faire appel à deux sortes de ressources pour le thérapeute. Celles qu'il a acquises par les perceptions plus affinées de l'adulte et puis celles plus lointaines de son enfance, c'est-à-dire rejoindre l'enfant aussi en lui pour pouvoir être en travail de coopération avec l'enfant. Excusez-moi si j'ai la voix qui tremble, je suis toujours un petit peu impressionnée. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Excusez-moi si j'ai la voix qui tremble, je suis un peu impressionnée. Voilà.
Dans quel cas on va utiliser l'hypnose? Alors, je vous ai mis quelques images pour les problèmes d'anxiété, les problèmes de terreur nocturne, problèmes de concentration aussi, les problèmes de liés au deuil, un travail de deuil, les problèmes de séparation, les angoisses de séparation, problèmes de phobie aussi, et puis les problèmes de comportement, de colère, etc. Mais il peut y avoir encore plein de domaines, l'encoprésie, l'énurésie, j'en vois assez souvent dans mon cabinet. Alors, pour vous dire un peu les choses, moi, je suis installée depuis une vingtaine d'années et je travaille depuis une vingtaine d'années avec les enfants, mais pas seulement, j'ai aussi une patientèle adulte. En fait, ce qui va, on peut passer à la dia suivante. Ce qui va être très important pour gérer la séance où on va introduire l'outil de l'hypnose, puisque pour moi, c'est un outil, l'hypnose, c'est pas, l'hypnose pour moi, c'est pas une thérapie, c'est un outil de la thérapie, en fait. Et donc, ce qui va être très important, c'est d'apprendre le langage de l'enfant, parce que on va réutiliser dans les séances d'hypnose les mots que lui utilise, par exemple. Et le plus important pour moi, c'est aussi de construire un cadre sécurisant dans lequel les enfants vont, les liens vont pouvoir se créer, les liens de coopération. Alors, ça va être par la répétition des mots qu'on utilise, qui sont utilisés par l'enfant, mais aussi par la tonalité de la voix qu'on va utiliser, et puis en exprimant tout haut et sur un mode descriptif les attitudes comportementales et sensorielles. Et puis, un aspect très intéressant aussi, avant de faire de l'hypnose avec un enfant, de pratiquer, c'est de mettre à jour les spécificités des expériences positives, c'est-à-dire de voir, chercher avec lui quelles sont ses expériences dans le passé pour pouvoir aussi créer des histoires pendant l'hypnose. Alors, pourquoi on va proposer l'hypnose? Ben, c'est pour vivre autrement une situation, une souffrance. C'est aussi pour semer des idées et pour laisser l'inconscient travailler. Alors, l'inconscient, moi, je le vois parce que j'ai été formée aux thérapies à l'hypnose ericksonienne. Et donc, Milton Erickson voyait l'inconscient comme un réservoir de ressources. Et donc, quand on pratique l'hypnose avec un enfant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher des ressources internes avec lui pour l'aider à surmonter son problème. Dia suivante, s'il te plaît. Voilà. Et puis, ce qu'on va utiliser, c'est le langage, pour moi, préféré de l'hypnose, c'est le langage des métaphores, parce que les métaphores, comme dit Joyce Mills, c'est aller droit au but, mais d'une manière détournée. Et donc, on va raconter des histoires, parfois en co-créer avec les enfants. Ça permet d'aborder les problèmes d'une manière différente, qui va mettre un peu à distance le problème, on va le renommer, ça peut le recadrer aussi. Alors, là, je vous ai... Évidemment, on va s'adapter suivant les âges, comme disait Antoine tout à l'heure, puisqu'on ne va pas faire de la même manière avec un enfant de 3 ans et avec un enfant de 12 ans. Et donc, il y a différentes choses qu'on peut faire. Par exemple, quand ils sont vraiment tout petits, comme disait Antoine, c'est plutôt de la distraction. Donc, on va utiliser la stimulation tactile ou kinesthésique ou la stimulation auditive, la musique ou autre. Et puis les mobiles, enfin les poupées, les peluches. De 2 à 4 ans, là où on peut vraiment commencer à faire de l'hypnose, on peut faire des bulles avec eux ou imaginer une activité favorite ou parler à l'enfant par l'intermédiaire d'un animal en peluche, par exemple, d'une poupée, d'une marionnette, et regarder une induction sur un enregistrement vidéo parce que ça marche assez bien avec les tout-petits. Pour les enfants qui sont un peu plus âgés, de 4 à 6 ans, on peut faire imaginer un endroit préféré ou une situation qui inclut, par exemple, un animal favori ou faire imaginer les activités d'une cour de récréation. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec eux. On peut commencer aussi vraiment travailler sur le sentiment de sécurité, travailler sur un lieu sûr. Voilà. Pour les enfants de 7 à 12 ans, on peut les faire imaginer faire du vélo, une activité sportive qu'ils aiment, les accompagner par exemple dans un voyage imaginaire sur un vaisseau particulier, un nuage, un tapis volant ou autre.
Et vous pouvez lui mettre les commandes dans les mains et veiller à le faire bien atterrir à la fin de la séance. Mais on peut aussi imaginer regarder des nuages qui changent de forme, de couleur, fixer un point sur la main, travailler avec la respiration, la catalepsie. Imagine, tu tiens dans tes mains un gros ballon qui se gonfle et se dégonfle au rythme de ta respiration. Ça, c'est quelque chose qu'utilisent pas mal les dentistes, par exemple. Ou caresser un animal imaginaire, si l'enfant aime les animaux. Pour les adolescents, ils apprécient bien la catalepsie du bras, ou imaginer conduire une voiture, imaginer écouter ou jouer de la musique, imaginer être engagé, par exemple, dans une action sportive, des histoires, imaginer un film. Alors, ils ont la télécommande dans la main, ils peuvent arrêter, avancer, faire des retours en arrière, par exemple, et puis travailler avec la respiration, comme avec les adultes, ou travailler aussi sur un lieu sûr. Dia suivant. Ce qu'il y a d'intéressant avec les enfants, c'est qu'en fait, l'hypnose qu'on utilise, elle peut être formelle, mais elle l'est rarement, finalement. Peu d'enfants ferment les yeux, et c'est surtout, je dirais, de l'hypnose conversationnelle ou même de l'hypnose en mouvement. On peut bouger, on peut danser pendant une transe hypnotique. J'aimerais vous parler de Joyce Smith, qui a beaucoup travaillé avec les enfants. Elle, c'est une thérapeute américaine qui a écrit sur les métaphores. On vous a mis les références à la fin du PPT pour que vous ayez les références de ses livres. Alors, elle travaille aussi beaucoup avec le dessin. Non seulement elle raconte des histoires métaphoriques en les créant, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire aussi, créer des histoires où il y interviennent des personnages ressources, mais aussi un conflit métaphorique. On retrouve des histoires dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Donc, raconter des histoires, c'est vieux comme le monde. Et donc, Joyce Smith a vraiment travaillé énormément là-dessus, mais elle a aussi développé le travail hypnotique avec le dessin. Donc, je vous explique en deux mots ce que c'est. Elle fait dessiner sur une partie d'une feuille la situation de l'enfant au moment où il vient vous voir, le problème qu'il a, qu'il traverse. Et puis, sur une autre partie de la feuille, elle lui fait dessiner quand le problème est résolu. Donc, le dessin est significativement différent. Et puis ensuite, d'une manière hypnotique, en faisant des suggestions, elle invite l'enfant à imaginer un personnage, un objet, quelque chose qui pourrait l'aider à passer de la situation où le problème est présent à la situation où le problème est résolu. Elle utilise aussi, et ça donne des séances assez intéressantes qui en plus nous renseignent énormément sur les besoins de l'enfant. Elle utilise aussi des puzzles, elle utilise aussi beaucoup les jeux. Et moi aussi, j'aime beaucoup utiliser les jeux parce que je trouve que le jeu, c'est vraiment un travail de coopération. Ce que je voulais aussi souligner, et ça vous êtes tous habitués à ça puisque vous recevez des enfants et des adolescents, c'est qu'avec un enfant, ils ne supportent pas la demi-mesure et il faut être vrai avec eux, il faut être authentique, il faut les rejoindre vraiment là où ils sont, parce que sinon ils nous voient venir avec nos gros sabots, il ne faut pas être trop prévisible. Donc ce qui est important, c'est aussi la notion de surprise. Elle utilise aussi beaucoup les marionnettes. Voilà. Tout à l'heure, je voyais une petite question passer sur les contre-indications. Alors, les contre-indications, pour moi, c'est quand il y a un risque de mise en danger physique. Il n'est pas question qu'ils se prennent pour un oiseau et qu'ils sautent de la fenêtre. Et puis, il y a aussi l'hypnose pour rigoler. En fait, non, ça ne sert à rien de faire l'hypnose pour rigoler. Et puis, surtout, ça ne sert à rien lorsqu'un traitement médical urgent est prioritaire. Et voilà la fin de ma présentation. Et donc, je suis pile poil sur l'heure des questions. Merci beaucoup, Bernadette. On regrette bien entendu de ne pas vous voir. Bah, je suis vraiment désolée.
Mais écoutez, on fera mieux la prochaine fois. Oui. Voilà, on va passer maintenant peut-être aux questions du côté de Théodore, de Vincent et de Katia. Et peut-être moi, je voudrais vous en poser une première pour repréciser un petit peu compte tenu de mes notions assez générales sur cette question de l'hypnose. Quelle est la différence dans le fond dans une approche avec la pratique de l'hypnose avec les enfants et la différence avec la thérapie par le jeu ou par le dessin qui va aborder à la fois la question bien entendu de l'attention, la concentration sur un élément donné, une sorte de focalisation, ce que vous appeliez, je ne sais plus, à un moment donné, c'était Focalisation, ça va bien. L'attention de projecteur, voilà, si je comprends bien ça. Et puis la question de la détente, effectivement. Donc, quelle est vraiment la différence? Il me manquait, moi, là, pour saisir ce que serait ce moment peut-être préliminaire qui va faire qu'on est dans une pratique de l'hypnose et pas dans une pratique thérapeutique autre. La question, elle est à la fois importante et elle est plus difficile qu'il n'y paraît, donc c'est bien que vous la posiez. En fait, l'hypnose ne dépend pas du support, effectivement. On peut faire une pratique d'hypnose avec le dessin, mais le dessin peut servir aussi à d'autres pratiques. Et donc, effectivement, il peut y avoir, notamment si on a un observateur extérieur, il peut tout à fait regarder. D'abord, parfois, il a l'impression que c'est juste du jeu. Et parfois, effectivement, s'il est à l'aveugle, il peut se dire, mais là, est-ce que c'est juste un travail avec le dessin ou est-ce qu'on est dans la pratique des trois dessins de Joyce Mills dont on a parlé Bernadette tout à l'heure. Ça va se jouer probablement autour de deux éléments. Le premier élément, c'est la dimension de la sensorialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail d'interprétation, il n'y a pas de travail d'élaboration, il n'y a pas de travail de ce qu'on appelle bien sûr la psychothérapie découvrante, c'est-à-dire de rentrer dans la signification directe de la production ou de ce que amène l'enfant. On va plutôt se servir du matériel comme étant vraiment une médiation dont le but va être que l'enfant ressente les choses autrement. Et c'est vraiment par ce remaniement perceptif qu'on va essayer de travailler le changement. Et ça amène le deuxième aspect, c'est la guidance, l'accompagnement. L'hypnose utilise de façon tout à fait intentionnelle la question de l'influence au travers des suggestions. C'est-à-dire là où dans d'autres pratiques, il y a bien sûr de l'influence, une guidance qui va être présente, il y a un travail thérapeutique qui va être mené, dans l'utilisation de l'hypnose, on va avoir des formulations dans lesquelles on va par exemple, un exemple concret, si je souhaite travailler la dissociation avec un enfant, c'est-à-dire je souhaite à un moment donné qu'il mette un peu à distance son corps pour pouvoir me parler de son corps qui par ailleurs a été meurtri, a été l'objet de choses qui font qu'il est là en consultation. Si je souhaite stimuler la dimension de dissociation et de le mettre, qu'il se mette un peu à distance à partir de son corps pour pouvoir avoir d'autres éprouvés, je vais plus lui parler de son corps, je vais plus lui parler de le corps, un corps. Et tu me parlais tout à l'heure d'un corps et tu me disais que. Et donc, par les techniques en fait de formulation et de suggestion, je vais influencer le vécu de l'autre de façon à stimuler la dissociation, l'enfant va se retrouver à la fois spectateur de ce corps dont je suis en train de lui parler et acteur de ce corps également, puisqu'il va ressentir des choses en le travaillant avec l'hypnose. Mais cette dissociation-là, cette mise à distance par rapport à ce qu'il y a à travailler, aura été stimulée par le langage. Et c'est probablement ces deux éléments-là, c'est-à-dire la question de l'influence structurée autour de la question de la suggestion et de la façon dont on amène la suggestion, et puis les supports qui vont être utilisés en thérapie, qui n'ont pas vocation à être découvrants, ils ont donc ni du côté du sens de l'interprétation ou de la symbolisation, ils vont être présents de façon à faire ressentir une expérience particulière, qui est précisément l'état de transe. D'accord, merci. Bernadette, vous voulez compléter? Non, non, j'écoutais attentivement. Comment dire? Je pense que ça permet de. Il y a une mise à distance et en même temps, comment dire? L'enfant vit avec l'état de transe, d'hypnose, une expérience qui finalement il vit tous les jours. Mais là, il va le vivre d'une autre manière. Parce qu'on va faire des suggestions, on va faire appel à des ressources qu'il n'imagine peut-être pas
dans son quotidien, dans ce qu'il vit à ce moment-là. Je pense que en se mettant à distance, on peut aussi, par exemple, et là, ça fait plus appel aux thérapies narratives, où on peut renommer, par exemple, un problème. Par exemple, un enfant qui vient avec un problème d'oncoprésie, par exemple. C'était Michael White, dans son bouquin sur les moyens narratifs au service de la thérapie, qui disait, ils avaient renommé ensemble le problème de l'oncoprésie comme caca sournois. Et caca sournois était extérieur, finalement. L'enfant ne s'identifiait pas à son problème. Parce que souvent, en fait, le problème, c'est je suis le problème. C'est moi le problème, je suis le problème. Et donc, c'est très important de pouvoir mettre ça à distance. Tu as un problème d'anorexie. Pour ça que, par exemple, moi, je dis, tu n'es, voilà, quelque chose que j'emploie jamais, c'est je vois des anorexiques. Les anorexiques, pour moi, ce n'est pas ça. Je vois des gens qui ont des problèmes d'anorexie, ce qui est assez différent. On ne peut pas les identifier à leurs problèmes. Ils sont beaucoup plus riches que ça. Et donc, c'est toujours important. On a un problème d'énurésie, on a un problème d'oncoprésie, on a un problème d'anorexie, on a un problème de gestion de l'alcool, pour certains adolescents, du cannabis, etc. Mais on ne peut pas les définir en étant le problème. Ce n'est pas possible. Merci. On va aller du côté de Vincent et Théodore et Katia et les questions. Voilà, merci pour ces interventions. Il y a pas mal de retours et de questions sur le chat. Il y a quelqu'un qui nous demande ce que vous pensez de l'auto-hypnose. Ah, vaste sujet. Je pense qu'on a, on a des... Enfin, je ne sais pas, Antoine, tu veux peut-être répondre d'abord ? Oui, et puis tu pourras me contredire après, du coup. Oui. je disais tout à l'heure, en fait, et la Bernadette le rappelait, c'est-à-dire que les états de conscience modifiés, les états de transe, existent en fait dans la nature tous les jours. Et ce qu'on va appeler hypnose, c'est vraiment d'influencer l'apparition et le vécu d'un état de transe pour lui donner une connotation thérapeutique. Donc il y a un travail de relation qui est fait. Et ce que l'on va appeler auto-hypnose peut aller simplement de la pratique et le fait de dire, ben, finalement, si je veux retrouver de l'énergie, si je veux me poser pour arrêter tout ce bruit qui est dans ma tête, si on peut faire, on peut apprendre à l'enfant de prendre un moment pour lui, de prendre 3 minutes, 4 minutes, dans lequel on va lui donner un rituel. Il n'y a pas d'auto-hypnose sans rituel, dans lequel on va lui donner un rituel où il va pouvoir retrouver un état de calme intérieur, une perception différente de la réalité. Là, on est dans quelque chose qui se retrouve et qui va, voilà, s'appuyer sur cet état, cette capacité pour tout un chacun à pouvoir s'appuyer sur les états de conscience modifiés. Ensuite, ça devient plus épineux lorsque l'on considère en fait l'auto-hypnose vraiment comme un processus thérapeutique. En fait, ce que les études semblent montrer, c'est que la pratique de l'auto-hypnose, c'est-à-dire les rituels dans lesquels je me mets moi-même en état de transe, n'ont pas de vocation thérapeutique, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas d'effet thérapeutique en soi, si ce n'est que cela permet de pouvoir reconduire les effets thérapeutiques qui ont été vécus avec le praticien. Si, par exemple, je vais voir mon psy parce que au niveau de mon corps, j'ai des douleurs qui sont très présentes, qui parfois apparaissent, qui disparaissent, qui sont les mêmes que celles de maman, elles sont là situées au niveau de l'épaule. Et donc, du coup, je vais voir le psy, ce psy travaille l'hypnose. On va passer, par exemple, pour les dessins, pour ne pas changer de technique par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Et puis, par rapport à ce que je vous disais, on va demander à l'enfant de colorier la partie dans laquelle il a la douleur. Et puis, on va progressivement lui dire, et puis maintenant, je vais te demander là, de laisser ce stylo-là en train de dessiner ce qu'il souhaite dessiner sur la partie de l'épaule. Et puis, tu vas pouvoir te rendre compte que lorsque tu autorises ce stylo à dessiner ce qu'il souhaite dessiner sur cette épaule, toi, de ton côté, tu peux commencer à décider si tu veux que l'appui soit plus fort ou moins fort. Autrement dit, je commence à travailler quelque chose de l'ordre d'une individualisation autour de la problématique avec cet enfant, parce que j'ai dans l'idée qu'il y a le lien, le mimétisme avec la mère, etc. Ça, je souhaite qu'il continue à le cultiver. Et donc, je vais demander à l'enfant, je vais ritualiser avec l'enfant un temps qu'il va prendre tous les jours, dans lequel je vais lui demander de choisir un crayon de couleur, pas deux, dans lequel il va juste dessiner
une épaule, celle dont il va être question aujourd'hui, et de laisser son crayon dessiner ce qu'il souhaite dessiner sur cette épaule. Ce qui va du coup reconduire, entretenir et approfondir le travail thérapeutique qui aurait été fait en séance. Voilà. Et donc, du coup, il y a à la fois les deux pièces, les deux côtés de la pièce, c'est-à-dire auto-hypnose pour vraiment retrouver une sorte de perception interne que l'on connaît, et ça peut être intéressant. Dans les troubles du comportement alimentaire, par exemple, une personne, une adolescente qui développerait des comportements boulimiques, vous êtes typiquement dans ce qu'on appelle une transnégative, c'est-à-dire la personne qui à la fois est spectatrice de ce qu'elle est en train de faire, qui ne peut pas arrêter en fait son accès boulimique, et qui en même temps sait que c'est elle qui est en train d'avoir un accès boulimique. Et donc cette personne-là, il va falloir lui réapprendre à utiliser les trans et les états de conscience modifiés du point de vue normal comme étant une capacité d'adaptation. Il peut y avoir un intérêt à juste la refamiliariser avec ça, première catégorie d'auto-hypnose. Et deuxième catégorie d'auto-hypnose, celle qui permet de reconduire les effets avec le thérapeute, et ce sont les équivalents d'une prescription de tâches, par exemple, que l'on pourrait faire dans d'autres formes de prise en charge psychothérapeutique. Mais c'est vraiment dans ce sens-là aussi que moi, j'utilise, enfin, je parle d'auto-hypnose. Il y a aussi, je ne sais pas si je crois que j'ai vu une petite question passer, mais je pense aussi que l'auto-hypnose, ça peut être des fois pour des patients qui sont trop dissociés, qui sont déjà dissociés, soit parce qu'ils ont vécu un trauma et qu'ils sont dans la dissociation par protection, en fait, ils se sont dissociés. Et donc, certains exercices d'auto-hypnose peuvent vraiment servir à se réassocier. Très bien, merci pour ces réponses. Vincent et Théo. Alors, il y a beaucoup de questions sur les possibilités de l'application. Alors, on ne va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les particularités, tous les troubles qui ont été demandés, mais il y a des questions autour des possibilités d'application pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle, un trouble psychiatrique, des enfants qui souffrent de troubles des interactions sociales et gestion des émotions, et les enfants ou ados TDAH. Je peux répondre à tout d'un coup. Ouais. En fait, en m'appuyant sur ce que disait Bernadette tout à l'heure, c'est-à-dire on peut envisager l'hypnose comme étant une forme de prise en charge psychothérapeutique essentiellement, c'est le cas de l'hypnose ericksonienne pure, c'est assez peu fréquent, et le plus fréquent, c'est ce que Bernadette indiquait tout à l'heure, c'est-à-dire considérer que l'hypnose, c'est une façon de travailler comme un outil à l'intérieur d'une prise en charge qui serait une prise en charge plus classique dans les grandes familles que l'on connaît. Pour ma part, mon orientation est existentielle et humaniste. Pour Bernadette, on l'a cité tout à l'heure, c'est plutôt l'approche systémique et les thérapies orientées solutions. Et donc, du coup, quelles sont les indications en fait, de l'hypnose? Ce sont les indications de votre méthode d'origine. Si vous êtes d'orientation psychanalytique, plutôt systémique, etc., ce que vous avez l'habitude de faire avec l'approche qui était votre première approche, ce sont les indications de ce que vous allez faire avec l'hypnose. Ensuite, et c'est le sens aussi des questions qui étaient posées, se pose la question, bien sûr, de l'accès à cette technique particulière dans les situations de retard mental, dans les situations d'autisme, dans les situations dans lesquelles la sphère cognitive va être touchée. Est-ce qu'il va y avoir techniquement la possibilité de pouvoir accompagner l'enfant, l'adolescent, pour pouvoir le guider et rentrer dans un état de conscience modifié en particulier? Alors, toutes les indications n'ont pas été testées. Moi, je me souviens en particulier parce que l'autisme était cité. Il y a une étude maintenant assez ancienne de Marc Zavalia, qui est professeur de psychologie du développement dans l'ouest de la France, si ma mémoire est bonne, qui avait publié déjà il y a quelques années en fait la question de l'hypnotisabilité chez les enfants autistes. Et il avait montré qu'il y avait différents âges, et en fait il montrait qu'il était possible en fait de les guider vers un état hypnotique et d'entretenir cet état hypnotique, à la condition bien sûr que les personnes à la fois connaissent les profils de ces enfants par ailleurs, sans même connaître l'hypnose, et qu'avec l'hypnose, en fait, ils s'adaptent à la fois à la relation, au discours et aux capacités de compréhension de l'autre. Donc, au niveau des indications, ce sont les indications des grandes écoles de psychothérapie, celles que vous avez actuellement, et on va utiliser l'hypnose pour travailler parfois un peu autrement, pour renforcer une dimension. Et ensuite, il peut y avoir effectivement, essentiellement dans la question du cognitif, il peut y avoir la question de est-ce que l'enfant va être accessible. Je ne peux pas répondre pour toutes les indications, en tout cas pour celles pour lesquelles on est allé voir. C'est la question de l'adaptation du discours et de la posture à la situation. Mais l'état hypnotique est un état, encore une fois, très banal.
La question est plus celle de comment la faire durer dans le temps pour être dans une guidance et faire un travail thérapeutique avec, que réellement le susciter. Le susciter est finalement assez simple. Moi, s'il y a une fin de séance dans la pratique de l'hypnose, est-ce que l'enfant sort de son état de conscience modifié et est-ce que c'est ça qui marque la fin de la séance? Est-ce que vous le préparez, ça? Bien sûr. Bien sûr. Je voulais aussi revenir sur le cas, enfin, par rapport à... Alors, il y a des techniques hein, pour ça, pour revenir, pour faire sortir de la transe hypnotique. Je reviens, moi, sur le fait que, par exemple, moi, je n'utilise pas l'hypnose avec les personnes qui sont psychotiques. Je considère qu'elles sont déjà... Leur problème, c'est déjà d'être trop dissociées et je ne prends pas le risque de créer encore plus de dissociation. Parce qu'après, je ne saurais pas où ça va. Et si je dois travailler, je fais travailler les yeux ouverts et sur le présent et sur ce qui se trouve dans mon cabinet. Mais en réalité, dans les cabinets libéraux, on en voit peu. Oui, c'est ça. Ensuite, moi, je les vois effectivement plus à l'hôpital qu'en libéral. Et donc, effectivement, c'est aussi ce que l'on sent de faire et de ce avec quoi on est à l'aise, bien sûr. Mais il n'y a pas de contre-indication formelle, en fait. Par rapport aux enfants, quand ils sortent et quand ils rentrent, en fait, alors, d'une part, dans une séance, en vrai, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas tout d'un coup, on les met en état d'hypnose et puis ils ressortent. Mais effectivement, ils sont toujours continuellement en train d'entrer, de sortir à l'intérieur. C'est un jeu, il y a une dimension extrêmement ludique. Mais effectivement, il y a un moment donné où on va, là aussi, ritualiser la fin du travail. Voilà. Maintenant, simplement, tu te redresses un petit peu, là, tu écarquilles un petit peu les yeux, vraiment pour me voir bien. Okay. Et donc, du coup, on va ritualiser que c'est la fin du travail qu'on avait commencé. Et donc, là, effectivement, il va y avoir un moment qui va être symboliquement un peu plus marqué à la fin, à l'intérieur d'un temps de travail dans lequel il y aura eu beaucoup de voyages, beaucoup d'aventures avec ces aventuriers-là, de la transe à l'intérieur et à l'extérieur. Très bien. Alors, Vincent. Je voulais juste ajouter quelque chose. Il y a aussi des précautions à prendre. Par exemple, j'ai le souvenir d'une jeune fille qui était venue pour des problèmes d'énurésie diurne et elle avait 12 ans et elle a fait pipi sur le fauteuil pendant une séance. Et en fait, elle était mortifiée d'avoir fait pipi dans le fauteuil. Et je lui ai dit, je l'ai remerciée, je lui ai dit, bah, écoute, je crois que ce pipi dans le fauteuil, il m'est très, très utile parce que je crois qu'il faut que tu ailles voir un urologue. Et en fait, elle avait une malformation congénitale. C'est assez rare, les énurésies diurnes chez un enfant de 12 ans. Et donc, je lui ai dit, grâce à ça, on a pu découvrir qu'elle a eu une petite intervention chirurgicale et son problème a été réglé. Donc, il n'y a pas forcément besoin de thérapie. Donc, c'est très important aussi de s'assurer, avant de prendre en charge de cette manière, que tout a été exploré. Bien sûr. Okay. Vincent, les autres questions, on va arriver vers la fin. Les questions, je vais vous proposer, si vous pouvez du coup nous préciser des choses le plus court possible, même si ce n'est pas toujours possible. On a une question notamment sur est-ce qu'il faut un certain degré de compréhension et d'expression orale pour pratiquer l'hypnose, et j'ajouterai aussi, parce que la question a également été posée, un certain degré d'imagination, notamment est-ce qu'on peut travailler avec des patients qui sont aphantasiques? Pour la première, en fait, c'est la question de l'adaptation dont parlait Bernadette, en fait. Et il y a aussi un travail, on a parlé dans le temps qu'on avait, en fait, beaucoup de pratiques langagières, mais il y a des pratiques aussi corporelles sans la parole. On peut aussi, juste avec le rythme et le mouvement, en fait, induire des états de transe. Donc, il y a d'autres façons de travailler autrement que par la parole, si nécessaire. Et je me souviens plus de votre deuxième question, du coup. Oui, l'imaginaire. Oui, on peut le travailler parce qu'en fait, dès lors que la personne est capable de se représenter quelque chose, ne serait-ce que de dessiner le porte-manteau qui est en face ou de pouvoir décrire le coussin sur lequel elle est assise, il y a la possibilité de pouvoir travailler. Et du côté thérapeute, même si les professionnels de l'enfance sont généralement des personnes très créatives et qui ont l'esprit qui se nourrit de plein de choses, côté thérapeute, en fait, c'est plus une gymnastique pour aller chercher l'imaginaire de l'autre que de réellement être créatif soi. La créativité du thérapeute n'est pas non plus une condition. Je trouve que c'est quand même important cette dimension-là, la créativité du thérapeute, parce qu'en fait, c'est
L'hypnose, c'est de la relation. Donc, s'il y en a un qui est créatif, pourquoi lui demander à un enfant d'être créatif si on ne l'est pas soi-même? On en discutera. Très bien. J'ai une question à vous poser concernant l'annonce. Est-ce que vos patients, qu'ils soient jeunes ou adultes, puisque Antoine, vous avez des patients adultes aussi et Bernadette également, est-ce que vous annoncez que votre approche est la pratique de l'hypnose ou est-ce que vous le conduisez progressivement pour ne l'annoncer qu'après? Compte tenu des représentations qu'on peut avoir de cet état hypnotique et des idées un petit peu préconçues que les patients peuvent avoir, y compris les enfants. Je vais remonter dans le temps et je vais vous parler de ma pratique. En fait, quand je n'étais pas aussi identifié hypnothérapeute que maintenant. Et donc là, effectivement, quand du coup les personnes ne savaient pas forcément que j'utilisais l'hypnose, que ce soit en libéral ou à l'hôpital, je ne le disais pas forcément. En tant que professionnel, je suis responsable des outils qui me semblent utiles pour pouvoir pratiquer avec l'autre. Je ne lui demande pas l'autorisation de faire la relation d'aide, leur formulation du recadrage. Donc je ne le disais pas forcément. Je faisais ce qu'il y avait à faire. Lorsque les personnes ont commencé à venir me voir pour de l'hypnose, se poser la question des parents, qui parfois étaient très encombrants, et du coup, j'avais trouvé un petit truc pour pouvoir désamorcer, c'est que je demandais à l'enfant, est-ce que tu es d'accord pour que ta mère, ton père restent pour voir à cette première séance comment tu arrives à faire de l'hypnose? Donc, je ne demandais pas l'autorisation aux parents, je demandais l'autorisation à l'enfant. Généralement, 99% des cas, ils disaient oui, je veux qu'elle soit là. On faisait une première séance et ça a désamorcé beaucoup de choses. Maintenant, pour moi, le problème se pose moins parce qu'à l'hôpital, je suis dans un institut qui est centré sur la pratique de la méditation et de l'hypnothérapie. Et donc, du coup, les gens viennent me voir pour ça. Et en pratique libérale, 8 fois sur 10 également, c'est parce qu'ils m'ont identifié comme pratiquant également l'hypnose qui viennent me voir. Donc, voilà, c'est plus le problème se posait plus en fait avant. J'étais très libéré par rapport à ça. C'est lors de ma responsabilité de thérapeute, j'utilisais les outils qui me paraissaient les plus à même de pouvoir aider l'autre. D'accord, très bien. On va poser la dernière question, peut-être Vincent, puisqu'on a deux, trois informations à donner à propos justement de la formation et du titre, ou en tout cas de la validation du titre d'hypnothérapeute. Alors, une des questions qui a été également posée, c'est quels sont les liens entre la pratique de l'hypnose et l'EMDR, notamment? Alors, selon l'EMDR ou selon les gens qui font de l'hypnose? Oui, c'est ça. Selon vous. Alors, historiquement, déjà James Braid, qui était l'une des grandes figures tutélaires de l'hypnose, déjà parlait des mouvements oculaires et du fait. Donc, on est en tout cas au niveau de la technique. Il y a vraiment un lien de parenté tout à fait flagrant. Et Shapiro, dans l'un de ses livres d'ailleurs, cite Braid comme étant l'une de ses inspirations. Donc, du point de vue technique, il y a quelque chose qui existe. Maintenant, la pratique de l'EMDR et la grande chose qu'a amené l'EMDR a été cette idée de proposer des prises en charge extrêmement structurées sur des tableaux cliniques qui étaient plutôt des tableaux cliniques éclatés. Et cette structuration en fait de la prise en charge en fait est effectivement différent de ce que l'on va faire en hypnose. On va plus tabler sur les ressources et les compétences de l'autre et faire plus de sur-mesure. Mais il y a en tout cas une parenté technique, et il y a bien sûr un état de transe également dans le MDR. Les patients en parlent très bien, la latéralisation notamment, même si le MDR maintenant ne fait plus que de latéralisation. La latéralisation amène bien sûr des états de conscience modifiés. Bien. Bernadette, un dernier mot avant qu'on donne quelques informations, notamment sur les formations. Écoutez, moi je pourrais parler des heures parce que c'est mon métier me passionne. J'ai passé 60 ans, mais j'ai encore envie de travailler longtemps, j'espère autant que je pourrai. Et ce qui est important aussi, enfin, il y a aussi des nouveaux outils là où je travaille, le psychologue qui travaille avec moi travaille avec les outils de la réalité virtuelle, par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi avec les adolescents. Alors, c'est vrai que le casque, ben, il n'y a pas forcément le thérapeute, mais là, nous, on essaie d'introduire la question du thérapeute, ne serait-ce qu'avec sa voix. Et donc, pour moi, c'est des outils vraiment intéressants à utiliser aussi avec les ados et à creuser et à chercher. Voilà. Très bien. Écoutez, merci. C'est vous souhaitez, Bernadette, que ce soit Antoine qui nous parle des formations à Hypnosia. Oui, je veux bien, Combien je veux de bien. temps de formation avant de commencer
à pratiquer l'hypnose quand on est, par exemple, psychologue, clinicien, thérapeute. Alors, effectivement, on a monté Hypnosia il y a déjà quelques temps avec une pratique qui est très centrée en fait autour de ce dont il a été question ce soir, c'est-à-dire une pratique très centrée sur les processus, sur la psychologie, l'approche, la posture, la relation beaucoup à l'autre, même si on apprend la technique comme dans d'autres centres, on est vraiment très centré sur cette dimension-là. C'est une formation en 2 ans. La première année, on va apprendre précisément les techniques en fait de base, les métaphores, les suggestions, comment on fait le travail avec le corps, comment est-ce que l'on fait. Et la deuxième année est plus centrée sur les indications, les cas particuliers. On ressort avec une certification de formation. La formation Hypnosia donne également accès à un diplôme universitaire par équivalence. On est la seule formation privée à faire cette équivalence avec un diplôme universitaire. À partir de quand est-ce qu'on peut pratiquer? En fait, on engage nos participants dès le premier module qui fait 3 jours à pratiquer. Ce qui fait qu'on leur propose ça, c'est qu'ils sont en fait accompagnés durant les 2 ans. Il y a des supervisions individuelles, des supervisions collectives. Ils amènent des situations cliniques à absolument tous les modules pour lesquels ils ont des retours individualisés. Ils peuvent nous joindre entre 2 modules de formation. Et donc, on les accompagne vraiment à la mise en pratique. On les connaît tous individuellement et on les accompagne vraiment à la mise en pratique pour répondre aux questions qui sont là et puis améliorer les pratiques chaque fois que l'on peut. Voilà. Et donc, vous avez les villes qui sont indiquées, des endroits où il y a différents centres. D'accord. Quand vous dites, Antoine, sur 2 ans, ça veut dire c'est quoi? C'est un week-end par mois? C'est 2 jours par mois? C'est en fait 3 jours tous les 2 mois. 3 jours tous les 2 mois. Ouais, d'accord. Et donc sur 2 ans. Très bien. Sur 2 ans. Voilà. Sur le PowerPoint, le PDF qu'on mettra à votre disposition pour tous les internautes, là, vous aurez la bibliographie sélective qui a été préparée par nos deux conférenciers. Merci infiniment à tous deux pour votre disponibilité, pour l'éclairage. Merci. Peut-être un dernier mot. C'est un plaisir. Merci. Vincent, peut-être un dernier mot sur les questions qu'on n'a pas pu aborder, hein, mais qui vont être envoyées aux auteurs pour voir justement un petit peu les préoccupations des uns et des autres. Oui, voilà, on a eu pas mal de questions. Je pourrais en citer plusieurs, hein, mais il y a la question de comment est-ce qu'on aborde la question des émotions et les axes de réparation, les stratégies pour les terreurs nocturnes. Etc. Mais je pense que le plus simple est peut-être qu'on vous envoie ces questions et si vous le souhaitez, on pourra toujours publier vos réponses sur notre site puisqu'on aura une partie dédiée aux documents que vous souhaitez partager éventuellement, que ce soit le PowerPoint ou éventuellement des réponses aux questions si vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. À tous, à Antoine, Bernadette, Vincent, Pacha et Théo qui étaient aux questions à la synthèse. Et puis on se donne rendez-vous mardi 18 octobre à la même heure avec Édouard Gentaz et Estelle Gilloz qui sont de l'Université de Genève. Quels effets des écrans sur le développement psychologique des enfants avec les apports de la recherche, et c'est en lien avec le dernier ou un des derniers numéros d'ANAE. Voilà, merci à tous, bonne soirée, et puis vous nous retrouvez en replay sur dès demain, c'est Vincent qui va s'occuper de tout ça, je crois, dès ce soir. Voilà, à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Vincent, tu m'entends? Oui. Oui, voilà, j'imagine que tu as arrêté l'enregistrement. Alors, c'est sur le point.